Salut à tous. Le coup d'envoi à l'instant. Et nous allons suivre la rencontre entre l'Atlético de Madrid et la Roma. Le stade Vicente Calderón, qui est la deuxième enceinte madrilène. Oui, c'est le stade de l'Atlético, en effet, Hervé. Rénové plusieurs fois, il peut accueillir 55 000 spectateurs. Ça s'agit en retour de l'arbitre, et c'est le jaune. Coup de poker de l'entraîneur qui voit bien que son équipe n'arrive pas à trouver la faille. Felipe Melo. Özil. Et il centre. Ah, c'est le défenseur qui reprend ce ballon. Ah oui, faute absolument. Des forces vives des deux côtés. Pour lui décaler le ballon. Avec carton, l'arbitre qui sort le carton. Et les joueurs n'ont pas à s'avancer comme ça, c'est normal. Ah, c'était une faute en fait, bien vu. Et le mur qui repousse ce ballon. Francesco Totti. Ah ouais, figurez-vous que quelqu'un est payé pour compter les fautes. Xabi Alonso. Wayne Rooney. Il s'avance vers la surface. L'occasion peut-être avec cette frappe. Il joue son batou avec ce remplacement. Pas très bien tiré, vraiment, Jovetic. Oh, il se fait subtiliser la balle. Xabi Alonso. Avec Totti. Attention à ce centre. Ah oui, le bon sang. Francesco Totti. Oh, le but. Le but, ils prennent l'avantage au bon moment. De la Roma qui vient de prendre une sérieuse option sur la victoire, qui marque un but sur le fil. Ah ouais, c'est un peu un scénario à l'italienne là, avec un rebondissement à un moment clé du match, plus que quelques minutes à tenir. Oui Hervé, la victoire semble maintenant se dessiner pour eux. Gré de jeu. Et c'est donc l'ouverture du score 1-0. Raul Garcia. Lars Bender.
Balotelli. Oh, il attrape le montant. Oh, le but, oui. Eh bien oui, c'est son deuxième but personnel aujourd'hui. Oh, Hervé, écoutez, c'est incroyable. Jamais je n'aurais pensé qu'il puisse marquer de là. Le score qui est désormais de 2-0. Raúl García. Jagielka. Blazievkovski. Felipe Melo. Ouais, bon jaillissement du défenseur sur cette interception. Oh, ça va rentrer. Ouais, la balle est... Modric. Et voilà, l'arbitre met un terme à cette rencontre qui se termine sur le score de 2-0. Bilan un peu plus positif à l'issue de ce match, bien sûr, Franck. Mais disons qu'il y a déjà la satisfaction hein, d'avoir gagné, qui plus est, sans prendre de but, un match plein, quoi, maîtrisé de bout en bout.